Une autre fin de semaine difficile pour les automobilistes, mais tout particulièrement pour ceux de l'ouest de l'île de Montréal, Samsara. Le pont de l'île aux Tourtes qui mène à Vaudreuil-Dorion est maintenant limité à une seule voie par direction. Oui, le pont qui était déjà limité à 3 voies sur 6, donc 2 voies dans le sens de l'achalandage et une autre en direction inverse depuis lundi en raison de la découverte d'une fissure dans la structure du pont. Voilà que le ministère des Transports du Québec a dû retrancher une autre voie, Véronique, et ce pour plusieurs semaines en raison de dommages sur une portion de la dalle. Et comme vous pouvez le constater présentement, eh bien, ça force un ralentissement à l'entrée du pont. Le MTQ recommande bien évidemment aux automobilistes de se tourner vers le transport en commun. Il y a le service de train de banlieue qui va être gratuit à partir de lundi. Des trains ont aussi été ajoutés à l'horaire. Et le passage au péage de l'autoroute 30 est aussi gratuit pendant la durée des travaux afin d'offrir une alternative aux automobilistes. Et Véronique, on a parlé à quelques résidents du secteur qui nous ont partagé leur frustration. Écoutez-les. J'aime pas, c'est difficile. Ça prend comme 1 heure aller au travail si je veux. Fait qu'au lieu de comme 15 minutes. Ben c'est pas évident, évidemment. Beaucoup de trafic, même durant les week-ends. Fait que ça m'est arrivé à un moment donné, j'allais chez eux, ça nous a pris 1 heure au lieu de prendre 15 minutes. I don't know. It's going to take how many years to build a new one? Three to six years? Boy, oh boy. I don't know. I'm glad I don't live out there. Yeah. Oui, c'est pas évident. Et Samsara, il n'y a pas que sur le pont de l'île aux Tourtes là, où il y a des entraves. Oui, je vous invite à regarder ces tableaux qui illustrent d'autres entraves autour de la métropole de Montréal, dans la métropole. Donc, il y a une fermeture complète du pont Honoré-Mercier en direction de Ganawagé et la circulation va se faire à contresens sur le pont en direction de Montréal. Également, sur l'échangeur Saint-Pierre, il y aura fermeture de la bretelle menant de la route 138 à l'autoroute 20-Est et il y a un risque de congestion dans l'axe du pont Honoré-Mercier et de l'échangeur Saint-Pierre. Donc, bien évidemment, on rappelle le ministère des Transports du Québec rappelle aux gens d'opter pour le transport en commun et de vérifier le site Internet de Mobilité Montréal pour prévoir vos déplacements. Oui. Merci, Samsara.